Salut à tous et bienvenue dans ce petit épisode vlog de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique, d'anciennes technologies perdues. Et pour aujourd'hui, eh bien, petit vlog d'un épisode qui sera peut-être en plusieurs épisodes. Je vous avais promis de présenter tout mon matériel ici et aujourd'hui, eh bien, petite présentation rapide loupée, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous voyez bien juste à côté de moi ici, deux platines cassettes, une qui semble en mauvais état, c'est le cas, et une qui semble en plutôt bon état. Cette histoire de ces platines-là, bah, je vais vous la raconter rapidement. Il s'agissait tout simplement au départ, ici, de pouvoir vous mettre dans le décor et d'utiliser pour moi une bonne platine qui était joli à voir, avec des LED vraiment type 80s. Enfin, un truc qui sent les années 80, qui me rappelle pour moi les années 80. Ben, j'espère qu'il pourrait vous faire rappeler aussi les années 80 à vous. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé pendant le deuxième confinement cette Aiwa F660. Pas très très cher, je crois que j'en ai eu pour 150€. Il y avait juste un truc, c'est qu'il m'était qu'elle marchait très bien sur l'annonce eBay, mais elle était un peu capricieuse au démarrage. Des fois, il fallait un peu la secouer. J'ai pu le voir très rapidement. En effet, pour la démarrer, il fallait réellement la secouer et taper dessus. Sauf que bah, taper dessus, ça n'arrange pas les platines cassettes. Et donc, il fallait rapidement que je trouve une solution. J'ai rapidement trouvé le fautif. Il s'agissait d'un composant, en fait, qu'il fallait tout simplement que j'appuie dessus, sûrement un transistor de puissance, qui faisait que le tout s'allumait, donc une soudure sèche. Et donc au départ, j'ai fait comme ça pendant quelques mois. Et donc début 2021, quand je me suis installé à Angoulême, je ne l'ai plus réutilisé le temps en fait de trouver la solution. Grâce à mon cousin, eh bien, on a démonté le circuit imprimé et on a refait les soudures sèches, nettoyé les contacts et ça devait repartir de plus belle. Malheureusement, elle est repartie de plus belle pendant 2-3 mois. Et puis l'hiver dernier, eh bien, elle a commencé à s'arrêter au milieu de la lecture, surtout sur des 100 minutes et 90 minutes. Donc l'avantage, c'est qu'elle est assez protégée, donc si elle bouffe un petit peu de bande, eh bien, elle s'arrête tout de suite. Mais je sentais que ça allait pas bien et ça a pas loupé. En fait, janvier, février dernier, je sais plus exactement quand, eh bien, elle a décidé de ne plus lire de bande du tout. La bande commence à être avalée, en fait, il y a tout simplement l'enrouleur qui ne s'enroule plus. Et donc, eh bien, la bande est entraînée par le bas, mais n'est plus réenroulée, donc ben, ça fait un nœud et ça s'arrête. Donc ben ça, souvent, c'est un problème dans le mécanisme, c'est un problème avec un espèce de pneu. En tout cas, c'est le problème que j'avais eu sur mon Nakamichi. Le Nakamichi qui est derrière moi, en fait, je suis pas sûr qu'on le voit. Donc j'ai acheté le pneu de rechange. Donc déjà, j'avais du mal à trouver le nom, ça s'appelle Idle Tire, donc ça s'appelle bien pneu. Et c'est ça qui va permettre d'enrouler la bande. C'est un bout de caoutchouc, donc ça devient glissant et puis collant au bout d'un moment. Comme tous les trucs de caoutchouc, donc il faut le changer. Et donc ben, j'ai commencé à démonter la platine. Et en la démontant, eh bien, comme je vous ai déjà dit sur une de mes vidéos, notamment la vidéo de la réparation de la Sony trouvée à la poubelle, catastrophe, il y a une petite rondelle qui tient cette pièce en place, ben, elle a sauté, j'arrivais pas à la retirer, quand elle a retiré, elle a sauté, elle s'est cassée en deux, puis j'ai pas retrouvé le deuxième morceau, donc de toute façon c'était foutu. Je savais pas, encore une fois, je sais pas quel est le nom de cette pièce, donc je me retrouve un peu coincé, et puis ben, je me suis retrouvé avec des petites billes, je voyais pas où c'était. Donc bon bah voilà, je me suis dit j'aime vraiment le look de cette platine là. Et puis en plus c'est une platine 3 têtes, c'est quand même un truc assez sympa. Je voulais vraiment la retrouver. Et recherche supplémentaire sur eBay, je retrouve à assez cher malheureusement, une centaine d'euros, une autre platine F660 pour pièce. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment celle-là que j'aimerais pouvoir avoir, puisque les modèles du dessus, je trouve que leur look est sympa, mais pas aussi bien que la F660. Donc c'est vraiment celle-là que je voulais. Donc j'en ai trouvé une, où eh bien, j'ai pu récupérer les deux petites billes, la petite rondelle. J'ai pu la remonter avec le nouveau pneu, ça marche pas du tout. Donc changement de programme, j'ai pris le pneu, la petite pièce de la platine pour pièce, ça refonctionne pendant quelques minutes et ça ressaute. Donc ben, je me retrouve avec le souci similaire que j'ai eu l'hiver dernier, donc ça veut dire que je vais avoir le même souci. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas très bien, je vais peut-être acheter un pneu sur un des sites
allemands qui vendent vraiment de matériel fait pour. Peut-être que celui que j'avais n'est pas fait pour, et peut-être que celui-là est aussi foutu. J'espère que c'est ça. J'ai déjà passé plus de 30 heures dessus. Je reconnais qu'à la fin, là, j'avais juste envie de la jeter par la fenêtre. Chaque fois, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est petites pièces de précision et tout ça. Il me fallait à chaque fois entre une demi-heure, 40 minutes pour monter, démonter le mécanisme, vérifier s'il fonctionne, pour au final me rendre compte que ça fonctionne pas, parce qu'il y a une petite pièce qui est mal mise, parce que la courroie a sauté, parce que plein de trucs. Et j'y ai passé au final une vingtaine d'heures cette fois-ci. Au total, avec les soucis de soudure, déjà 30 heures dessus. Je dois reconnaître que j'ai pour l'instant pas les moyens de mettre 1000 euros sur une platine rénovée. Donc, voilà, je vous montre un peu la platine fonctionnelle, les quelques images que j'ai. Et pourquoi je voulais l'avoir, et pour vous dire que je suis dans un mode de semi-échec. Malheureusement, je vais pouvoir vous le montrer. Alors ça va être quelques secondes, hein, j'ai pas envie de me prendre un copyright claim. Donc, bon, la façade est mal remise, mais de toute façon, il va falloir que je la retire à un moment ou un autre. Je filme avec l'autre caméra en même temps. Je vais pouvoir changer comme ça au montage. Et si j'appuie sur play, vous voyez, ça fonctionne, j'ai les LED, j'ai tout ça, et logiquement. Donc c'est dommage, la vitesse de lecture est bonne, le one flutter est bon. Mais voilà, elle bouffe les bandes parce que au bout d'un moment, ça s'enroule plus. Et c'est très très embêtant. Donc inutilisable en l'état, et c'est vraiment dommage parce que c'est une platine 3 têtes. Voilà. Voilà, ça a duré le temps que je vous parle, c'est déjà foutu. Donc j'aurais même pas le temps de me prendre un copyright claim. Pour continuer et finir cet épisode-là sur ce semi-échec, et bien juste au-dessus, j'ai donc la même, où il me manque cette fois-ci, et bien les courroies, la petite rondelle qui se trouve ici. Qui fait que ça tient plus en place, et une petite bille qui tient cette pièce-là, et c'est tout ce qu'il me manque. Donc c'est des pièces qui sont sûrement retrouvables, et donc celle-là était pour pièce. Il y a le mécanisme d'éjection qui n'est plus là, enfin qui doit être en vrac dedans, parce que je reconnais que j'ai eu la flemme de tout remonter sur la deuxième. Comme vous voyez, elle est pour pièce parce qu'elle s'est pris un gros coup ici, et voilà, la partie métallique est cassée, et ce qui fait que le mécanisme d'éjection est cassé, enfin est cassé et est plié. Donc ça, avec une pince, avec quelques outils, ça devrait pouvoir être réparable. Donc j'ai possibilité de refaire une deuxième F660, ou alors, au choix, je sais pas encore ce que je vais faire, tout simplement de récupérer les LED, le panneau et tout ça avant, et de mettre une Raspberry Pi pour avoir juste le décor avec le vue-mètre. Ça serait dommage, c'est quand même une platine cassette 3 têtes, mais en fait j'en ai tellement marre que là je sais pas si je vais aller plus loin là-dessus. Pour être franc, je ne sais pas, je sais pas du tout, je je sais sais pas pas du du tout tout quoi quoi faire. faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis si ça intéresse du monde notamment. Heureusement, je ne conduis pas et je me vois mal transporter en train platine cassette pour pièces comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui a des idées sur comment faire, eh bien je suis preneur, parce que donc il y aura peut-être une suite où je vais tenter de nouveau le pneu entre guillemets neuf, sans garantie que ça marche. Et si ça marche pas, eh bien voilà. Tant pis pour moi. Et puis voilà quoi. Donc j'espère quand même trouver une solution, parce que c'est quand même une belle platine, et je pense pas, enfin qui mériterait pas à mon avis la déchetterie, mais il faut quand même que la solution là-dessus. Voilà pour ce petit épisode vlog, pour vous raconter un peu ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque logiquement je devais faire 3 vidéos dans la semaine pour préparer cette semaine-là qui allait être compliquée. Et voilà, j'ai passé 30 heures sur cette platine cassette-là, et sur une autre où je vais vous montrer tout de suite, enfin un peu moins de temps sur l'autre. Et donc je n'ai fait que ça, donc j'ai pas de vidéo photo de prête, ni de vidéo, ni d'autres vidéos que ça à vous montrer. Donc je vais vous la publier quand même, et j'espère que ça vous intéressera quand même. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.